We took things for granted. We expected coffee in the morning. We expected free Wi-Fi. When those were taken from us, we survived. When communications broke down, the trains stopped and the internet went dark, we survived. But when the pharmacies were looted and hospitals shut down, asthma became lethal. And with no police to protect you, did you own a gun? Did your neighbor? Some survived. Bonjour tout le monde, c'est Revanzmil et bienvenue sur notre bêta bêta ouverte. The Division 2. On doit aller prendre les archives nationales. Apparemment, c'est tout droit. Oui, je sais Isaac, j'en viens. Isaac, tu sers à rien. Isaac va vous diriger jusqu'à la chambre forte dans laquelle se trouve la déclaration. Mais le ménage s'occupait de Trustones. Donc en gros, on doit récupérer la constitution des États-Unis, enfin la déclaration des États-Unis. Rien du tout. Attends, je me relève. Hop. Concentration. Bon, depuis le dernier épisode, je me suis fait manger des lentilles à 1h du matin. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Qu'est-ce que c'est cette boîte? C'était quoi cette boîte? Bon, c'était une boîte. C'était pas une boîte bleue? Une bleue couleur TARDIS? Non? Non, c'est dommage. Non, ce serait pratique. Attendez. Ouais, est-ce qu'ils l'ont codé ça? Oui, ils l'ont fait. Ouais, je sais, je suis un peu énervé. Attendez, j'arrive. Est-ce que je peux faire tomber le lustre? Déjà, si je pouvais voir quelque chose, ce serait bien. Non mais, lustre à la con. Meurs. Voilà. Moi, ça se passe bien avec le hog. Attends, j'arrive. J'arrive, je viens de t'expliquer les bonnes manières du con. Non, j'ai un meilleur fusil à pompe que vous, les mecs. Laissez tomber. Sur beaucoup de jeux, ce fusil à pompe est considéré comme un des meilleurs. Sur Killing Floor Premier du Nom, par exemple, vous l'aurez en meilleure arme du jeu. Enfin, côté fusil à pompe, bien sûr. Bon, pas la peine de gueuler. Ouh, l'extincteur. Attention les mecs, extincteur volant. Attends. Là, dans ce jeu, ça se joue au fusil à pompe. Dans le premier, c'était quasiment impossible. Mais là, dans celui-là, ça se passe sérieusement bien. Après, c'est une mitrailleuse à pompe. Le truc, il te balance des cartouches qui te dévisse la tête. Donc ouais, bah, The Division, public bêta 2. Je ne sais pas quand est-ce que va être publiée cette vidéo, mais moi je m'éclate. Sincèrement, je m'éclate et j'en profite. J'essaie de vous partager un petit peu ce jeu. En espérant que ça puisse vous donner envie de l'acheter, en fait. Ou que ça vous enlève des hésitations sur ce jeu. C'est le principal. Si vous aviez eu un doute
que vous aviez envie de l'acheter, mais que ma vidéo vous dit non, je vais pas l'acheter parce qu'il m'intéresse pas, c'est très bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous me le dire, ça m'intéresse. Savoir si le jeu vous plaît ou pas. Moi, j'aime beaucoup. Là, par contre, j'arrive pas à être clair. Là, c'est dur, là, ce soir. Ah, une grenade. Une greu-greu. Allez. Bip, bip, bip. Ah, bip, bip. Bon, bip, bip. Ok. T'as un sac à dos qui se balade, mais tout va bien. Ok, là on est pas mal. Ok. Merde, j'ai pas rechargé, mais quel crétin. Aucune chance, Maurice. Aucune chance. Quoi? Oula, il y en a beaucoup là. La physique est très intéressante dans ce jeu. Quand on voit la physique des corps. Elle est plus intéressante que dans d'autres jeux. Mais d'ailleurs, dans le premier Division, quand on tirait sur deux cadavres l'un après l'autre, si je me trompe pas, les dégâts étaient pris par la deuxième victime. Oups, oups. Les grenades, par contre, se voient pas, c'est assez difficile. Ouais, mais attends, on va avancer un peu. Quoi, il est où? C'était juste. Ouais, il est loin. Ok, le chauve, c'est fait. Donc sinon mon avis sur le jeu actuellement, c'est bon, c'est toujours le même, hein, il est bon. Les contrôles, on s'y habitue facilement. Même si j'ai l'impression qu'il y a un petit problème au niveau de la difficulté, mais après c'est peut-être que la bêta. Parce que là, je suis à quel niveau en difficulté? Paramètres. Non, je vais voir paramètres, s'il te plaît. Vidéo, avec touche, gameplay. Système métrique, oui, non, 50, 100. Asus, valeur des dégâts, radar, connectivité, visible. Non, y a rien. Apparemment, deux écrans. Configurer l'interface deux écrans en décalant de gauche à la droite. Oh, c'est cool ça. Ça c'est bien, je l'ai pas essayé, j'essayerai. Hein. Mais par contre, je pourrais pas vous le montrer malheureusement, c'est un peu trop compliqué pour OBS. J'ai déjà tenté de faire un enregistrement de X-Plane en 2 de dual screen. Je l'ai pas monté. Clairement, je vais pas vous mentir, je l'ai pas monté. C'est impossible, la synchronisation prend des plombes. Et le montage est lourd. Attendez, j'arrive. Non?
J'ai pas plus de balles que ça, bien sûr. Quelques micro-glitch, mais c'est rien, bon, ça c'est pas grave. D'ailleurs, prochaine vidéo, c'est le sniper. Oui, puisque j'ai débloqué la fin du jeu. Je garantis pas l'état des serveurs. La déclaration doit être dans la dernière zone de stockage à gauche. Ouais, on verra plus tard, je peux pas... Ah, voilà. Je vous parlais, enfin... Dans ce jeu, il y a des cadenas. On ne les crochète pas. Voilà. Et ça, ça me plaît beaucoup. Qu'ils aient mis ça, je trouve ça génial. Bon, elle prend tout, mais elle ne la met pas. Non, je peux pas monter dessus. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Donc, j'ai perdu 3 balles. Mais c'est dommage. Bon, ben, rentrons dans le coffre. Sincèrement, j'ai pas confiance. I have two sons headed to the archives building. All right, agent. The declaration is secure. It's time to get out of there. Temps de sortir de là. J'ai peur à la caisse. Ils vont me faire sortir par où? T'es sérieux? Vous êtes sérieux sur la sortie, les mecs? Là, par contre, c'est un peu glitch. Ah, bon, on va fouiller un petit peu là. Ouais, j'ai eu raison de revenir fouiller. Ça vaut le coup. Ouais, il faut toujours fouiller dans ces jeux. D'ailleurs, aucun rapport, mais parlons cuisine. Si jamais vous voulez faire des lentilles, c'est vite fait. Une conserve de lentilles de 500 grammes à 1 kg. 1 kg, c'est pour... un peu plus de 3 personnes. Donc une fois que vous avez votre kilo de lentilles, vous faites d'abord revenir des lardons, des oignons, carottes et saucisses. Bah, le temps de la cuisson, ça dépendra vraiment de ce que vous faites cuire. Et une fois que vous avez mis... Hop, voilà. Une fois que vous avez mis vos lardons et vos saucisses, vos oignons, vos carottes, vous rajoutez les lentilles une fois que tout est presque cuit. Et comme c'est des lentilles en conserve, c'est des lentilles qui sont déjà cuites. Il vous faut pas les laisser longtemps. Petit quart d'heure, un petit 10 minutes, un quart d'heure, et ça vous donne un bon petit plat. Très vite préparé. Compliqué. Compliqué de faire cuistot et méga baston en même temps. Surtout qu'il n'y a pas de place. Oui, ressort, toi. Merci. Coucou. Ok, on est bon. D'ailleurs, si je me réfère au premier jeu de mémoire, j'avais eu un sniper à peu près à ce niveau-là. Si je peux garder un heal dispo, voilà. Mission achevée, ouais, nice. Putain, ça se passe bien. Ah ouais, dame. Je sais toujours pas ce qu'ils disent, mais bon. Enfin, je m'occupe pas des dialogues aussi, après tout. Ouais, non, je vais peut-être pas redescendre. Je vais peut-être juste sortir de la zone. Enfin, avant, je vais fouiller à droite. Ah voilà! Faut toujours fouiller. Non, c'est jeu à la con. Fouillons à gauche. Quand je dis jeu à la con, hein, c'est sans animosité, c'est un bon jeu.
mystérieux, il me tarde qu'une seule chose, c'est que le jeu soit sorti officiellement. Qu'on ait une sortie officielle, là, ça va être cool. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils nous permettent de diffuser. C'est de diffuser ces épisodes. D'après ce que j'ai vu, j'ai pas eu. J'ai fait un trailer pour tester, pour voir si ça marchait. J'ai pas eu de problème. Donc, ouais, ben, allez, un Jacques Terrestre, hein, comme ils disent, on verra bien. Non. Pas de backup. Je sais que c'est du multi, mais j'ai la flemme. J'ai pas envie de partir en multi, ça me gonfle. À tes souhaits. Allez, on y va. On est lancé. On prépare la revanche. Pourquoi il y a une ligne rouge? Hein? Dangereux? C'est dangereux? Ouh, si, oui. Oui, c'est dangereux. Donc, bêta, effectivement, on est à la limite de la map. De la bêta. La map s'étendra bien au-delà, puisque la map finale, c'est ça. C'est gros. C'est, ouais, les... je pense qu'elle est aussi grosse que la première, que la map du premier. Si c'est la map finale, si c'est la map finale. Je pense hein, que c'est la map finale, mais en tout cas c'est très sympa déjà là, on a une grande zone. C'est bien sympa et c'est 3-4 fois ça, hein, minimum. Ah merde, j'ai des clampins sur la route. Les débiles, comment ils perdent de la vie? Non, t'es hors de la map, connard, t'es hors de la map. Moi je peux pas venir, enfoiré. Putain, bande d'enfoirés, je peux pas sortir de la map. Ah, oh, c'est dégueulasse. Je vais crever moi avec ces conneries. Bon. Cours, 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 cours. C'est peut-être pas la bonne idée de... On va se heal comme on est à côté d'une zone de fight. Oui, il faudrait bien que... Il va falloir que j'aille les buter, c'est con. Crétin. Mais putain, mais il m'a largué une grenade à mes pieds, cet enfoiré. Non mais, vous barrez pas. Mais non, mais arrêtez de sortir de la map, bande de tricheurs. Putain, les pinches des tricheurs, sans déconner. Ils profitent que je suis dans une bêta. Sérieux, j'ai une arme obsolète? Ça vaut de le pistolet. Ouais. Non, niveau 5. Ah ouais, d'accord. Niveau 6. Niveau 6. Putain, d'accord. Ah, à moins que... Non, niveau 6. Niveau 6. Niveau 4. Ok, bon, déjà ça c'est bien. Niveau 6. Niveau 5. Ah, le café froid, c'est dégueulasse. J'aime bien le café, mais froid. Sans sucre en plus. C'est vraiment pas bon. Ça donne presque la gerbe. Bon, c'est pas grave. Non, mais arrête avec ton arme obsolète. Je suis niveau 6. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, toutes mes armes sont niveau 6. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux plus? Qu'est-ce que c'est? Des items se voient super bien. Bonjour. Au revoir. Ah pardon, 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 pardon. Ouh mais merde, mais il y en a beaucoup là. Oups. Surprise.
Qu'est-ce que tu fous sur le camion, toi? Est-ce que je peux le toucher de là? Ouais, on essaye. S'il est debout, ça passe. Allez, plus qu'il est concentré sur ma tourelle, cours. Bon, mais ma tourelle a gagné. Ah, est-ce que ça passe ou pas? Oui, je sais. J'allais juste chercher ça. Je suis revenu, Jojo, calme-toi. Ah oui, mission de sabotage. Oula. J'aime pas les master zones. Aïe. Pigeon. Crétin. Allez, venez voir. Oh, je ne suis plus là. Venez voir les crétins. Allez. Les pigeons. Pigeon. Venez les pigeons. Il vient le pigeon. Pigeon. Non, va pas sur la grenade. En douille. Gros pigeon quand même, hein. Pigeon. Est-ce qu'il y a d'autres pigeons? Pigeon. Plus de pigeon. Ça va être compliqué. Yeah, ça passe. Putain, j'ai... Non mais, Maurice, du con. Voilà, merci, au revoir. Parfait. Il a été très con celui-là. C'est bien de mettre un truc pour sécuriser l'entrée, mais bon, si tu laisses passer les gens aussi... Ah, une bouteille d'eau, je crois. Une bouteille d'eau? Ou des munitions? Aucune idée. Ça, c'est... Bon, le seul défaut de l'interface qu'il y a, c'est ça. C'est que selon ce qu'on ramasse, si on appuie un peu trop longtemps sur le F, on voit plus ce qu'on a ramassé. Après, le défaut du jeu, graphiquement, il est pas dégueulasse. Les visages, peut-être, un peu à revoir. Mais pas énorme, il y a rien... Trois retouches, trois conneries. Ou alors, c'est juste mon perso qui est dégueulasse, ce qui est aussi tout à fait probable. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Non, j'ai besoin de rien. Après, non, graphiquement, l'ambiance est bonne, l'ambiance est très bonne. Non, j'ai vraiment... je cherche des trucs à dire sur le jeu, je cherche à décrire ce que je ressens en jouant à la bêta. Et j'ai du mal. Sincèrement, j'ai du mal parce que le jeu est vraiment bon. Ouais, voilà. Là, par exemple, c'est ce que je disais, c'est que j'ai laissé le bouton F appuyé trop longtemps. Par contre, j'avoue que j'ai pas l'impression. Le poison vert, j'ai pas l'impression plus que ça qu'il y ait. Après, c'est peut-être que la bêta, il y a pas beaucoup de civils. Dans le premier The Division, quand on se baladait, on voyait des pinges qui étaient malades. Tenez, ça vous occupera. Hein? Non.
Merci, merci d'avoir parlé. On va peut-être passer derrière finalement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? Oh, c'est rigolo ça. C'est rigolo ce truc. Merde, mauvaise arme. Pardon, je me suis planté d'arme, ça va. Ah, j'ai le nez qui gratte, c'est horrible. Quand je tourne, que j'ai le nez qui gratte, c'est infâme. Et ça me le fait tout le temps en ce moment. Je recharge. Je t'ai vu, t'inquiète pas. Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. C'est bon. Tout va bien. Ça, c'est intéressant que la map soit entourée de rouge quand il y a des ennemis à proximité. Et quand on a vidé la zone, la map redevient blanche. Ça, c'est super intéressant. J'aime beaucoup. Recharge, recharge. C'est quoi ces boîtes? Ah putain, c'est les explosifs que je dois récupérer. Oh, il y a un truc là. Ah, le fusil à pompe, le Super 90. Tiens, ça me rappelle le premier jeu, ça. Hop, récupérons le deuxième explosif. Ah, j'ai. Putain, c'est pire en pire. Les mecs, ils ont confiance quand même. Ils stockent ça là. J'aurais pas des masses confiance. Voyons, là il doit y avoir un truc. Je suis sûr qu'il y en a là. Une rallonge. Une perceuse, un marteau. Perceuse est d'ailleurs bien modélisée. Attendez, je vais essayer de me mettre dessus. La perceuse est très bien modélisée. Putain, le mec il s'est fait chier, il a même fait les petites rainures. En fait, vous avez la perceuse, vous avez la gâchette et vous avez la partie où vous mettez la. La hache. Merde, le truc qui fait un trou. La mèche. Et en fait, vous avez la partie noire qu'on tourne pour desserrer le pas de vis ou resserrer le pas de vis pour que la mèche tienne. Et le mec s'est fait chier à faire des traits dessus, faut le saluer. Comme les petits traits sur le manche du marteau. Les petits reliefs. Et il y a un mec qui s'est fait chier à coder des blattes. Bon, je peux pas les tuer, mais ils se sont fait chier à coder des blattes. Putain, les mecs, ils s'emmerdent quand même. Ouhou. Donc sinon, nous avons une Honda, je dirais. Hummer, bon, ça c'est du gros 4x4 bourrin. Ah, 22, ouais, oui. Oui, oui, je m'extasie sur des blattes et j'oublie d'aller chercher des explosifs. C'est le nouveau type de héros. Ah. Quand il y a un réapprovisionnement, c'est jamais bon signe. Ah ouais, cool. On fait d'abord le tour. Bon, il y a du crétin. Là, j'ai... Voilà. J'avoue que je suis assez calme pour cette vidéo, mais j'essaie de me concentrer le plus possible. C'est bon. On va gagner, on va attendre un peu, on va voir s'il n'y a pas d'autres connards qui spawnent.
Ok, donc là on est bon. Un explosif. J'en ai pas d'autres par ici? Non. J'arrive, j'arrive. Non. C'est pas moi qui ai besoin de backup. Ah, Shadow Nemesis, Museum Viewpoint, histoire. Bonne chance. Ah, c'est quand il meurt, d'accord. Donc quand on meurt, on peut demander du renfort. Et moi, je suis un sac, c'est non. Je fais mes quêtes déjà, je galère déjà assez. Je dois placer du C4 sur les 4 caisses de mission, mais ce serait pas plus intelligent de récupérer les caisses de mission. Oups, oups, cours, 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 cours. Bouge. Et de deux. Ils sont où? Ponte, voilà. Est-ce que je peux la jeter jusque là-bas? Allez, allez, un petit peu. Bon, toi, tu m'aides déjà. Allez, au revoir. Merde, enfoiré. Ok, j'ai trouvé son point faible. Ok, je t'ai eu. Allez, vas-y mon coco. Voilà, nice. Le petit drone qui fait le taf. J'ai cru entendre une explosion sous moi. Ouais, toi, c'est réglé. Il y a quelqu'un qui me jette des grenades, mais il est où? Ah, vous êtes bien là. Ils me l'ont jeté sur la tête, la grenade.
Bon, le hog pour la bêta, il gère. Alors, on soigne-toi un peu, on ne sait jamais. C'est bon, il n'y a plus de crétins. Bah, tout va bien. Allons poser les derniers explosifs et récupérons le bleu. C'est quoi? Ouh, un P7, ça me plaît ça. On s'occupera de ça après. C'est où, c'est là. Putain, c'est ça les explosifs? Ouh. On va filmer, je me tais. Voilà, c'est tout. C'est juste pour mettre dans le générique, si j'y pense. Explosion à 34 minutes. Au cas où, c'est un petit rappel pour moi. J'aime bien placer des rappels. 34 minutes... Ouh, ça va se rapprocher de trop près, ça. 34 minutes 54. Ben, merci. Donc, nous avons un MP7. Qui est sérieusement bien. Hein. On va lui mettre un pointeur. Ouh, allez, mets-lui un pointeur. Sélectionner. Mets-lui ça. Mets-lui ça. Rail sous canon court et emplacement en... D'accord. Sympa. Quittons la mission. Bon, c'était vite fait hein, cette petite mission. Ça, c'est toujours agréable, c'est toujours sympa. On va éviter de brûler, ce serait con. Mourir brûlé à la fin de la mission. Le gars sauve le monde mais finit cramé à la fin. Parce qu'il a marché dans le feu qu'il a créé. Bon, on va aider les débiles. Comme ça, on teste notre nouvelle arme, version bêta. Et je crois qu'on va même pouvoir terminer cette vidéo correctement sur une prise de points. Bon, on va finir déjà les débiles qu'il y a aux alentours. On va se faire de la place. Quoi, vous vous fritez entre vous? Attendez, j'arrive. Coucou. Mixer. Mixage. Aïe. Au secours. Au secours. Yibi, oui. Ça va aller? Tu tires sur qui? Il est où? Bonjour monsieur. Ou madame, je ne sais pas. Ça va aller? Tu t'en es sorti? Putain, j'ai sauvé François Hollande. Qui a la même coiffure. le titre de la vidéo, j'ai sauvé François Hollande. Oups. Non. François Hollande était quand même spécial, enfin était quand même, bon, son politicien quoi sur le principe, mais c'est le seul qui a reçu un prix comique à la fin. C'est-à-dire que quand on voit le générique qu'avait fait le générique de quotidien Profession Présidente 2.0 de François Hollande a été magnifique. Ils enchaînaient les bourdes, les trucs qui tombent. Projet non, je m'en fous pour l'instant. Le drapeau rouge, c'est pour plus tard. C'est moi ou il y a un enfant qui vient de se téléporter devant moi? Ah ouais, c'est ça. Ah oui, on a eu ça aussi. L'air de jeu. Avec un enfant qui est magique, on va le montrer. Regardez la petite là qui est au milieu. Avec la blonde, pantalon rose, chemise verte. Elle vole. Progression. Voyons progression, on en est où? Coopération, solidarité, aspiration, donc.
C'est intéressant. L'aspect progression comme ça est très intéressant, savoir où on en est, ce qu'on a fait. C'est très sympa. Ah, voilà. Elvandor. Hey, Maurice, il y a une faute d'orthographe. Vander, ça s'écrit pas comme ça. Ah, t'as rien. Ah, t'as rien. T'as rien, t'as un sac. T'as rien, laisse tomber. Bon, allons libérer la bibliothèque MLK Memorial. Bonjour. Putain, vous êtes bien, vous? Oh, vous êtes bien installé? Par contre, faudrait peut-être penser à ouvrir les fenêtres, ça devrait peut-être... C'est mieux pour rentrer. Je sais pas, hein. Moi je dis ça au pif. Ah, mais les mecs, ils s'installent juste sur les escaliers. Non, mais vous avez des maisons derrière. Non, bon. Faites ce que vous voulez. Voyons. On vit comme des sauvages, mais on reste des hommes. Merci d'avoir protégé ces œuvres d'art. Cool, voyons. Voyons l'expo. Je peux la visiter? Ah non, je peux... Merde, je peux pas la visiter. Oh putain, j'aurais tellement aimé qu'il y ait une espèce de musée. Qu'on fasse une espèce de musée, qu'on puisse visiter avec les œuvres d'art affichées, les trucs comme ça. Ça aurait été bien, ça. Même si c'est des œuvres d'art, genre JPEG moche, un Picasso ou un truc comme ça. Moi, ça m'aurait plu. Si tu cherches les œuvres, moi j'ai... Rentre avec l'eau. Cool. Bah, ils récupèrent du stuff, c'est bien. Bravo les gens. J'aime bien. La quête que je vais faire, je les aime bien parce qu'on défend une zone et on récupère, voilà, un point de contrôle. On défend donc la zone et on le fait avec des gens. Pas avec des joueurs, mais avec des pinges. Allez, venez les clampins. Oula. Il y en a beaucoup. Donc déjà, la tourelle, là-bas. Vas-y, fais le taf, ma cocotte. Et moi, je me mets à côté d'elle. Oups. Merde, je l'avais pas vu. Je l'ai. Merde. Ah, j'ai paniqué. Désolé. Non, j'en fous. Ben, le théâtre, c'est... Oh, ça, c'est bien. Le point de... L'aspect réapparition, là, est très intéressant. Puisque ça vous indique quel est le point où il est, où il se situe. Et la distance à laquelle il est. Ouais, je sais, je suis au courant. Non, t'as toujours rien, toi. Bon, on va y arriver. On va terminer cette vidéo correctement sur ce point-là qui me gonfle. Voyons. Bon, on fait le tour. Ouais, ou alors je suis... Non, mais je suis déjà au courant, ça. C'est mignon, le jeu. Non, je peux pas rentrer. Qu'est-ce que tu fais, toi? Sick Bay. Donut Caldine. Patient will be... Ah d'accord, c'est un médecin, c'est juste un généraliste quoi sur le principe. Ouh, joli. T'as des trucs sympas là, Maurice. Et vous? Ouais, vous réparez juste des armes, d'accord. Qu'est-ce que vous faites là-haut, les mecs? Bonjour les gars. Qu'est-ce qui se passe ici? Les portes m'ont fait peur. À tes souhaits. C'est du verre, donc tout va bien. Allez, bon courage. Par contre, le seul... Wow, niveau design, les points d'interrogation comme ça... Pas fanat parce qu'on les voit de loin. C'est un peu le problème. Pourquoi ils sont arrivés? C'est sérieux? Ah, ils sont. Putain, ils sont arrivés apparemment. Oui, ils sont là.
ça la mission, on n'est pas obligé de la recommencer de zéro, c'est plaisant. Vivement que le jeu soit en français d'ailleurs. Je trouve ça bien plus agréable. Oups. 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 Full panique. C'était pas là. Donc c'est pas là qu'il faut spawn. On a compris. Mauvais choix. Donc, le magasin, c'est un très mauvais choix de spawn. Oh merde, j'aurais pu les attaquer au fusil à pompe, je suis très con. Quant à la flemme de prendre... Ils ont quand même décidé de mettre des cordes pour ceux qui voudraient pas prendre des escaliers. Hein. Les mecs réfléchissent. Allez, on fait notre petit sport du matin. Est-ce que je peux monter par les deux crétins, là? Non, non, j'ai pas le droit. Bon, tant pis. Oui, pour moi, ce sont tous des crétins. Non, mais moi, je suis aussi un crétin. Ce qui change rien. Bonjour, attendez, ça fait deux fois que je meurs. Je vais chercher les autres. Ok. T'es souhait? Non, je cherche pas à traduire. Mon niveau d'anglais est tellement pourri. Techniquement, je suis capable de tenir une conversation minimale, mais... Pff, tellement galère. Street contre qui? Au revoir. Bon, lui, c'est réglé. Il en reste qu'un. On va être, on va lui proposer d'être urbain. Bonjour, je suis urbain. Et cool, on a un nouveau point de TP. Ça c'est classe. Réapprovisionnement, ça c'est cool aussi. Il m'en faut. Où est la réserve? Allez, bonne chance. Moi je cherche la réserve. Oui. C'est... Bon, par contre, si vous tirez, hein, je suis pas responsable. Mais... Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Deux secondes. Non, tout va bien. Dormiront chez eux ce soir. Bah ouais, ouais. Mais il faudrait que vous rentriez déjà.
Enfin, vous trouviez quelqu'un pour vous remplacer. La full rentabilité de ces trucs, sans déconner. Le vecteur. Ouais, ça peut être pas mal. J'essaye de voir ce que je récupère. Ouais, pas mal. Qu'est-ce que j'ai récupéré de bleu? Montre le bleu là, c'est quoi? Le P416, et je suis à nouveau béni des dieux apparemment. Le P416 militaire. Donc, tu vas me le prendre hein, direct. On va le modifier. Mets-lui un petit viseur. Non, en place d'apparence, non. Non, j'ai que ça. Tous les modes d'armement. P416 militaire, c'est ça? C'est un P416? Oui, donc normalement, je devrais avoir que... Attendez, je comprends pas, là. Ah, ça l'a pris. Oh, putain. Bon, c'est pas grave. Le vecteur, on va le garder hein, sous la main. On sait jamais. Bon, les autres... Bah, battez-vous. Oui, je veux ouvrir ce pack. Je l'ai déjà. Dommage. Vraiment dommage. Je sais pas, ils disent requiert quelque chose, mais je sais pas comment lui donner. D'accord, c'est juste un point de défense. Oh, ok. La bibliothèque, donc on a un nouveau point de TP, donc ça c'est cool. C'est quoi ça? Un affrontement à côté? Bon, j'y vais, tout de suite. On va tester ma nouvelle arme bleue. Tu veux quoi? Qu'est-ce que quoi? Bonne chance, j'ai pas ce qu'il faut. Oh, mais calme le truc. Ouais, c'est mon pistolet, mais j'en ai pas d'autre. J'arrive. Prenez pas de risque, je suis là. Mais bonjour toi. Ça va? Ça a l'air. Dites bonjour à ma tourelle. Ouh. Oui, donne la clé, Une clé, donne. Ça sert à quoi? J'ai trouvé une clé. Vous savez à quoi ça sert, les mecs? Coucou. Oh. Quoi, où ça? C'est par là? Oh, il y a un truc. On y va. Pardon. J'arrive. Ouvrir la réserve de matériel. Oh, c'est là. Ah ouais, donne. Enfin, c'était ça. Périmètre sécurisé, d'accord. Why not? Je vais pas me plaindre. On a fait deux quêtes supplémentaires. Est-ce que je peux me téléporter au refuge? Puisque là, dans l'idéal, il faudrait que je fasse ce point de contrôle. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Putain, là, il y a tellement d'activités. Ça, on fera ça plus tard.
On va se téléporter au refuge. Oh, quoi quoi. Je vais faire ça en solo. Je vais faire l'émission qui est à côté de la... Pourquoi, attendez, on en est à combien de vidéos? Ouais, à 54 minutes, je vais arrêter la vidéo là. Donc je vais faire en solo l'émission qui est en dessous de la Maison Blanche. On verra bien ce que ça donne. S'il y en a une de cool, je relancerai un record. Et en attendant, un petit peu d'entraînement. Et on se dit... Ou alors, on se dit juste... Non? Le salut n'est pas... Ah oui. Allez, bye les gens.